Salut tout le monde, c'est Sydney, de retour avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Toujours confiné, on fait avec. J'espère que ça se passe bien pour vous. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Ce sera pas une vidéo sneakers ou quoi, mais ce sera une story time. Alors, on est tous en ce moment un peu en mode Michael Jordan. Hein. Je pense que vous avez vu The Last Dance. Il y a les deux premiers épisodes qui sont sortis. Moi-même, j'ai regardé, le documentaire est fou. Du coup, je voulais profiter de l'ambiance très Michael Jordan en ce moment pour faire ces story time où je vais vous raconter comment j'ai rencontré Michael Jordan et Dennis Rodman. Alors, pour ce premier épisode, je vais me concentrer sur la rencontre avec Michael Jordan. Et la semaine prochaine, je vous ferai un épisode sur Dennis Rodman. C'est parti pour le premier épisode, comment j'ai rencontré Michael Jordan. Alors, notre histoire débute à l'été 2012. Donc, on est en août, c'est les vacances d'été et je suis avec ma famille en vacances aux États-Unis. Donc, à l'époque, j'habitais pas encore aux États-Unis, j'habitais à Bordeaux. Et donc, on décide de faire un voyage aux États-Unis. Donc, on commence par New York, ensuite, on va à Minneapolis, puis Chicago et Washington DC. Donc, pour la partie qui nous intéresse, on va se concentrer sur le passage à Chicago. Et un jour, on se promène sur Michigan Avenue. Michigan Avenue, qui s'appelle aussi le Magnificent Mile. Donc c'est la grande avenue commerçante passante de Chicago, comme on a les Champs-Élysées à Paris ou Rodeo Drive à LA. Bon, c'est pas aussi fancy, mais voilà. Là, l'idée, c'est la grande avenue populaire de Chicago. Donc on se promène sur cette avenue, on déambule tranquille, il fait beau, c'est génial. Et à un moment, sur le garé, on voit une Mercedes SLR. Je m'arrête pour prendre des photos. Je vais voir les photos que j'ai prises là, donc je les mets là. Et assise sur le rebord là, juste à côté de la voiture, il y a une dame qui est en train de fumer une cigarette tranquille. Et la dame me dit, ouais, la voiture qui est en train de prendre en photo, c'est la voiture de Michael Jordan. Là, il y a son restaurant juste derrière et il est dedans, donc tu peux aller le rencontrer. Gros bizarre. Je la crois pas. Donc je lui dis ouais, ok, ouais, c'est ça, genre très drôle. Donc je regarde derrière et en effet, Michael Jordan a un restaurant à Chicago qui s'appelle Michael Jordan Steakhouse, donc sur cette avenue. Donc le restaurant était vraiment là. Mais bon, pas parce que c'est son restaurant qu'il y est forcément. Donc je la crois pas trop. Et elle me dit si, Michael Jordan est dedans, c'est sa voiture qui est là, c'est son restaurant. Rentre et tu vas le voir. J'hésite encore un peu, je me dis non, mais je suis sur la blague, c'est pas possible. Michael Jordan, c'est pas possible qu'il soit là, maintenant, là, quand moi j'y suis. Elle me dit, mon gars, le gars est là, va le voir. Il y a l'hôtel intercontinental qui est juste à côté, là. Tu rentres par là, il y a une entrée derrière qui mène au restaurant. Il est là, c'est exactement là où il est. Tu rentres et tu vas le voir. Je me dis, bon, d'accord. Je rentre par l'hôtel, je rentre par l'arrière du restaurant. Et là, il y a qui ? Il y a Michael Jordan, qui est là, juste devant moi, juste là, à 2 mètres de moi, là, en train de parler avec quelqu'un dans la salle. Là, mon cerveau, il lâche. Honnêtement, émotionnellement, c'est super bizarre. Parce que vraiment, genre, ton cerveau, je pense qu'il... Le cerveau, il n'est pas planifié pour ça, il n'est pas fait pour ça. Le cerveau, là, vraiment, il lâche. Mais bon, je garde mon calme, parce que... voilà, tu veux pas t'afficher devant lui, tu veux pas faire du son, tu veux pas faire n'importe quoi. Donc j'attends tranquillement qu'il ait fini de parler avec le gars. Donc je vais le voir et je lui dis bonjour, monsieur Jordan, est-ce que je peux prendre une photo de vous? Donc il dit d'accord. Je prends la photo et la photo que j'ai prise, c'est la photo que vous voyez là. La photo est complètement ratée, complètement floue, tellement je tremblais. C'est pour vous dire à quel point l'émotion était incroyable. Genre, je tremblais complètement. J'ai même pas réussi à prendre une photo qui ressemble à quelque chose. Genre, un truc de fou. Mon cerveau a complètement lâché. On part un peu, et donc je vois ma mère et tout. Je lui dis, ouais, voilà, donc, il est vraiment là, elle le voit aussi. Et j'ai pris cette photo, et la photo est complètement ratée. Donc là, on se dit, bon, ben, enfin, surtout, elle me dit, non, mais il faut que tu aies une photo avec lui, il faut que tu aies une meilleure photo que ça. Donc là, il repasse devant nous et ma mère l'arrête et lui dit « S'il vous plaît, est-ce qu'il peut prendre une photo avec vous ?» Il est un grand fan de basket, il fait du basket fauteuil aussi, donc s'il vous plaît. Donc du coup, là, on fait une photo et c'est la photo là que vous voyez là. Donc, et si vous regardez bien sur la photo, je souris même pas. Si vous regardez sur la photo, je souris même pas. Tellement
L'émotion est. Franchement, c'est. Hey, je veux dire, c'est impossible à raconter, c'est impossible à décrire. L'émotion est beaucoup trop forte. Genre, même. Je peux même pas dire que j'étais heureux tellement l'émotion était. Genre. Je sais pas. Honnêtement, c'est encore aujourd'hui, hein. C'est dur à décrire. C'est dur à décrire parce que c'est. Surtout que. C'est pas quelque chose que j'avais prévu. C'est pas comme si on m'avait dit, ouais, ce soir, cet après-midi, tu vas rencontrer Michael Jordan, où ton cerveau, il est déjà un peu entraîné, tu t'es dit, enfin, ton cerveau, il se met en place, donc tu te dis, ah ouais, je vais le rencontrer, ça va être ouf. Là, c'était complètement random. 5 minutes avant, j'étais dehors en train de prendre une photo de la voiture, j'avais aucune idée. Une heure avant, j'avais aucune idée que je verrais Michael Jordan, même si on est à Chicago. C'est parce que t'es à Chicago. Enfin, 99% des habitants de Chicago n'ont jamais vu Michael Jordan en vrai. Genre, c'est la probabilité hyper faible de le voir. D'ailleurs, vous voyez mon frère, il a un t-shirt des Lakers, en plus, il a un t-shirt de Kobe. Tellement, c'est pour vous dire à quel point on pensait pas du tout qu'on allait le rencontrer. Mon frère a un t-shirt de Kobe. D'ailleurs, en fait, j'ai eu la chance parce qu'en plus, il partait. Du coup, lui, il part, moi, je reste dans le restaurant. Et là, je revois la dame qui m'avait dit que Michael Jordan était là. Et là, je tape un sprint et je la prends dans mes bras. Alors que je la connaissais pas du tout. Il y a des moments où le corps, il y a trop d'émotions, tu vois, trop d'émotions. Genre vraiment, je roule, je trace et je la trappe comme ça dans mes bras et je la serre dans mes bras parce que... Enfin, franchement, heureusement qu'elle était là, heureusement qu'elle a insisté parce que moi, je la croyais même pas. Quand on est sorti du restaurant, après, j'ai appelé ma sœur, j'ai appelé mon père pour le raconter. Mon père, c'est un énorme fan de Jordan. Genre, il, à les années 90, il se levait la nuit pour regarder les matchs, donc il était... Bon, il était content pour moi, je pense qu'il était un petit peu deck parce qu'il aurait... Donc, il kiffait être là. Et bon, il pouvait pas parce que lui travaillait, donc il a pas pu venir avec nous. Mais je pense qu'il. Enfin, je pense pas, mais je sais qu'il aurait. Je pense que lui, il aurait pleuré. Lui, il aurait été dans un mal total, quoi. Parce que lui, vraiment, il a vraiment vécu l'époque, la grande époque de Jordan. Donc lui, vraiment, il aurait. Je sais pas, moi, je pense que lui, il aurait vraiment pété un plomb. Et du coup, l'année d'après, j'ai rencontré Dennis Rodman. Une toute autre histoire, un tout autre personnage, un tout autre contexte. Et ça, je vous le raconterai à la prochaine story time, la semaine prochaine. Voilà, c'était comment j'ai rencontré Michael Jordan. Très dur de mettre des mots dessus, je sais que c'est pas, je raconte pas super bien, mais c'est très très dur de mettre des mots sur une telle émotion. C'est des émotions qui n'existent quasiment. Peut-être une fois dans sa vie, franchement, peut-être deux fois, je sais pas. Des émotions, en tout cas moi, que j'ai jamais revécu, en tout cas. Donc voilà, donc la semaine prochaine, Dennis Rodman. Merci de me suivre, allez checker mes autres vidéos. J'espère que vous avez kiffé. À la semaine prochaine.